Quelle ambiance dans ce public! Je vais demander à l'ensemble de nos élus qui sont présents ici et bien de bonne foi remettre les prix pour la 4e place de cette Coupe de France 2002 en ce à la Balbe Grand. Un tonnerre d'applaudissements pour l'équipe de Vendôme. Président de la commission fédérale hors zone pour remettre les prix à cette équipe de Vendôme. Allez, je pense qu'on peut encore les applaudir bien fort. 4e place. Nous arrivons maintenant à la 3e marche du podium. Ils vont pouvoir monter sur cette 3e marche. Je vais vous demander un tonnerre d'applaudissements pour l'équipe d'Hauteville. Quelle ambiance dans ce public. C'est l'équipe Hauteville. Allez, on monte sur votre 3e marche. Bon, merci beaucoup. Merci à Cécile Caillou-Robert, conseillère régionale Centre-Val de Loire. Nous avons également Jean-Marc Pons, sénateur du Loir-et-Cher. Pascal Delac, maire de la Bataille, conseiller départemental du Loiret. Audrey Combardin, vice-présidente de la Fédération française d'équitation. Également Jean Gauthier, président du Grand Tournoi. Allez, un tonnerre d'applaudissements pour la 3e marche. Vous venez de les voir sur cette carrière. Elles se sont battues jusqu'à la dernière seconde. Elles vont monter sur la 3e marche du podium et porter la médaille d'argent. Un tonnerre d'applaudissements pour l'équipe de Marchand. Allez, on va saluer l'ensemble des compétitrices et les coachs, bien évidemment. Bravo à toutes ces équipes qui encadrent nos joueuses de cette Coupe de France de hors-jeu. Allez-y, rejoignez votre 2e marche. Et on va pouvoir aller remettre les prix à cette belle équipe qui arrive à la 2e marche du podium. Allez, félicitations à tous les équipes. Merci à Jean-Marc, sénateur du Loir-et-Cher, d'être parmi nous. Également Cécile Caillou-Robert, conseillère régionale du Centre Val de Loire. Le maire de la Vallée de Grand et conseiller départemental du Loir-et-Cher, Pascal Violac. Jean-Luc Auclair, président de ce grand tournoi. Bravo à tous. Et enfin, elles ont été les meilleures des meilleures sur cette Coupe de France féminine de hors-ball. Elles se prénomment Justine, Emma, Magali, Anastasia, Roxane, Annalisa. Je vais vous demander un tonnerre d'applaudissements pour nos championnes. On salue la 2e marche, la 3e marche, c'est notre 4e place. Et allez-y, mesdames, bravo. Allez, je pense qu'on peut encore les applaudir bien fort.
et pour mettre les prix à cette équipe qui remporte la Coupe de France féminine de handball à la Vogue de Bron. Merci à Frédéric Gouit, délégué général de la Fédération française de natation. Nous avons également Frédéric Morin, vice-président de la Fédération française de natation, qui représente avec Frédéric Gouit, le bon président de la Fédération. Merci à vous, le Je vais vous demander un dernier applaudissement pour la remise du trophée Les Fleurs. Allez, on applaudit bien faire le champion de cette Coupe de France. Félicitations, Justine Amar, Emma Poudouneau, Magali Lune, Anastasia Dumont, on prend les photos, on peut les applaudir à nouveau bien fort. Bravo à vous, messieurs, madame. Merchant. Pour remercier ce merci à Jean-Claude, sénateur du Loir-et-Cher, Cécile Saint-Laurent, conseillère régionale du Centre de Val de Loire. Nous arrivons maintenant à notre médaille de bronze. Ils vont monter sous vos encouragements, vos applaudissements sur la troisième marche du podium. C'est l'équipe de Cressan. Félicitations.
Félicitations à vous. Allez, nous arrivons maintenant à la deuxième marche du podium. Deuxième marche du podium. Un tonnerre d'applaudissements pour l'équipe de Chambly. Merci à nos élus du Loir-et-Cher, mais également de la Fédération française d'équitation, d'être parmi nous pour remettre la chance aux équipes aux couleurs du grand tournoi 2022. Ils étaient, il y a quelques minutes, sur cette carrière. Ils remportent la Coupe de France mixte 2022 de handball à la Motte de Bron. Je vais vous demander un tonnerre d'applaudissements pour les champions, l'équipe de Bouin. Allez, on passe voir. Ses adversaires, mais toujours amis dans ce sport. Bravo à vous. Rejoignez cette première marche du podium. Bravo, messieurs. Et je pense qu'on va pouvoir les applaudir pendant qu'ils récupèrent leur prix. Gisas, Ladislas, Johan, Benjamin et tous sont champions de cette Coupe de France. Vous êtes discrets là, les supporters. Allez, et enfin, la coupe de champion de cette Coupe de France mixte. Allez, les acteurs. Allez, s'il vous plaît, faites un peu de bruit dans le public. Gabriel, allez. Attends. Madame, messieurs les élus, mesdames, messieurs les élus, vous allez pouvoir rejoindre la photo. Sous un tonnerre d'applaudissements du public qui était chaud ce soir, bravo à tous, à vous également. Gilda, Stanislas, Johan, Benjamin et Pau. Et félicitations au coach Gérald Ratel et Jean-Michel Pignal. Vos applaudissements pour toute cette belle équipe.